Ah, hiérophle. Hiérophle. Bon, lui, on s'en fout ce qu'il dit. Alors, gestion des boîtes de nuit, ramener VIP chez lui. Ah oui, bah c'est bien ce que je disais. Donc je l'amène chez lui. Donc VIP, il faut pas l'effrayer. Ok, donc il faut pas rouler vite, il faut pas taper dans le mur. De toute façon, j'ai 9 minutes pour l'accompagner. Et oh, toi, tu vas pas couper la route comme ça, toi. Hein. Il habite pas loin de la boîte de nuit. Hein. Donc il faut que je roule le plus prudent possible. Plus prudemment. Hop. Allez, on tourne là. On entend bien ronfler le salaud. Il ronfle. Il ronfle. En même temps, je pense qu'il a dû consommer pas mal. Hein. Normalement, ça, c'est pas mon travail. Hein. Ça, c'est le travail de mes employés. Mais bon, si je fais rien dans le jeu, je risque de m'ennuyer, quoi. Ça, c'est pas possible. Hop, lui, il va tourner. Ok, bon, vas-y. Hop. Allez, je suis presque arrivé, reste... Oh ben voilà, je suis presque arrivé. Tony, lui, il fait qu'à rappeler. Normalement, c'est pas à moi de faire ça, Tony. Soit c'est toi, soit c'est aux employés. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'adore faire ça. J'adore accompagner les VIP ce jeu. Bon, lui, il va tourner ou pas. Bon, coupure de priorité. Hop, stop. Enfin, c'est ce que... Ouais, il faut que je laisse passer. Bon, on n'a pas toute la nuit et toute la nuit. On n'a pas toute la journée ou toute la nuit, voilà. Reste 500 mètres. Reste encore 7 minutes, donc ça va. Ça va. Mais il fait quoi? Elle fait quoi? Elle veut saboter mon voyage, elle. Elle n'est pas bien dans sa tête, là. Allez, je vais accélérer un petit peu. Oui, on dépasse. Est-ce qu'on a bien fait? Oui. Il n'y a personne qui nous tape par derrière. Allez. C'est bon, je tourne ici à gauche. Voilà, on est presque arrivé. Il faut juste ralentir un petit peu. Hop, voilà, c'est bon. En temps et en heure. Comment ça se fait qu'il y a beaucoup de voitures qui ne sortent pas là? Je croyais que c'était une route, moi. Alors, je vais te payer combien là? 11 500 $. Bah oui, pour accompagner juste un VIP, ça paye bien les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, il y a le téléphone qui m'appelle. Il doit être quelque part par ici. Est-ce que je peux passer par là? Blablabla. Hop. Voilà. Assassiner la cible. Alors, le client nous filera en supplémentaire si on fait exploser le mec. Voilà mon plan. On va chercher un taxi. Ok. Faut que j'aille chercher un taxi. Donc le taxi, il est quelque part par ici. C'est bon, je suis à côté stand de taxi. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler stand de taxi ou parking. Hein, parking de taxi. Donc, je vais prendre un taxi. En plus, il y en a plusieurs. Et oh, on m'attaque pas comme ça. Vous voulez vous battre? Attendez, j'arrive. Deux contre un. En plus, je ne sais plus battre. Je ne sais plus me battre. Vas-y, prends ça, des petits bonhommes. C'est qui les bonhommes? Est-ce qu'il peut... Vas-y, on esquive. Oupia! Hop! Oh là là, il est fort, lui. Il est fort. Vas-y, arrête. Ah, il est fort, hein, il faut que j'attaque. Vas-y, prends ça. Est-ce que tu encaisses, toi? Non, il encaisse pas. En plus, je me donne 31 $. Oh, ça va, bon, allez. Faut que je m'active parce qu'il reste 13 minutes. Allez, prends la voiture, ferme la porte, voilà, on se casse. Il n'y a pas de flic, c'est bon. On se casse.
Ouh, je suis en danger de route, moi. Hop, le freinage était juste. Oh, on freine, on grille le feu rouge. Ah, mais il est là, le mec. C'est bon, je le vois. Taxi, please, ben viens. Vas-y, monte. Monte, monte, dépêche-toi. Si tu savais ce qui t'attend. Si tu savais ce qui t'attend. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris. De toute façon, j'ai pas fait attention. Ouais, ok. Je comprends toujours pas. Hein. Mais on va à ma destination, ok? Comme ça, là-bas, okay. Tu seras sobre. On va te sobrer tranquille, tranquille. T'inquiète, t'inquiète, tout va bien se faire. Hop. Vas-y, dors bien, hein, dors bien. Vas-y, dors. Fais dodo, voilà mon petit frère. Fais dodo, t'auras du gâteau. Je pense qu'il y a une station-service par là. Je pense. On m'a dit d'essayer de le faire exploser, alors je vais pas faire semblant. Hein. C'est bon, je suis arrivé devant la station-service. Sans s'interdire, mais c'est pas grave. Vous savez quoi? Au cas où il y aura des flics, hein, je vais prendre une précaution. Là, il est en train de dormir, donc je suis tranquille. J'ai appelé une voiture blindée. Kuruma de préférence, ça fait longtemps que je n'ai pas appris le Kuruma. Mécano, alors Mécano, est-ce qu'il va me répondre? Il a intérêt de me répondre. Ah, ça c'est bien. Ok. Je vais voir qu'est-ce que je peux prendre. Je dis tout à l'heure, c'est Kuruma blindé. Voilà. C'est ce que je veux. Donc du coup, il me reste 9 minutes. Et alors, pour le faire exploser, qu'est-ce que je dois faire? Ah ben, simple, hein. On va mettre un petit C4. Hop, est-ce qu'il va voir? Là, il voit pas. Tant pis pour lui. Hop. Allez, on range tout ça avant que je le fasse exploser. Au revoir. Ah, vous avez assassiné l'entrepreneur de technologie. Ah, ben, j'ai bien fait de prendre la Kuruma. Et maintenant, ben, il faut semer les flics. J'ai bien fait de prendre la Kuruma, mes amis. Ah, il y a des flics partout. Non, vous m'aurez pas. Allez, je suis en panique là. Ah, je pensais pas que ça allait prendre autant de... Ah, pourtant c'était qu'un seul mec, hein. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'il avait plus que les autres? Laissez-moi tranquille. Ah, par contre je tue pas les randonneurs, hein. Non, ça non. Ça non. Bah, il y a quoi? Il y a l'hélico là qui me suit. Vous savez quoi? On va appeler Lester. Est-ce qu'il peut me sauver, Lester? Sauve-moi, Lester, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me sauver? Juste pour une fois. Juste pour une fois, Lester. Allez. Non, espèce d'enfoiré. Espèce d'enfoiré, il veut pas me sauver. Bon, bah, il faut que je me sauve tout seul. Hein. Et puis la voiture qui se fait la malle. Hop. Allez, on se sauve. Allez, laisse-moi tranquille, toi. Ah, vous savez quoi? J'ai trouvé un endroit. Ça y est, il n'y a plus d'hélico. Bon, contrat terminé. 45 000 $. Ah, ben voilà, j'ai eu un bonus de 30 000 $. Normalement, je devais être payé que 15 000 $. Ça va. Je triche à force. Bon, allez, je vais chercher le colis de Gérald. Donc, il faut absolument avoir le casque. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut absolument avoir le casque. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je suis dans la zone. Dans la zone. Bon, allez, on fait ça à pied, tranquille. Hein. J'ai entendu un truc par là.
faut bien tendre les oreilles. Des fois, le colis, oh là, je sautais sans faire exprès. Moi, je pense que je suis parti dans le mauvais endroit. Non, je vois pas de colis là. Je ne vois pas de colis. Où es-tu le colis? Donc il faut bien ouvrir les oreilles pour l'entendre parce que il y a une balise bip bip dessus. J'espère que je vais pas chercher longtemps. Normalement je sais à peu près où est-ce qu'il est, mais ça change tout le temps alors. Là j'entends rien. J'entends toujours rien. Je vais voir par là-bas. Normalement il est dans le secteur. Hein. Il est dans le secteur. Ah ben voilà. Mais par contre j'entends pas le son. Est-ce que vous entendez le son? Non, moi j'entends pas. Hein. Allez, 17 250. Je suis à 84 307. Ça monte petit à petit l'argent là. Avec ça, je peux déjà acheter deux voitures. Si j'étais débutant. Bon, maintenant je vais m'attaquer aux planques. Hein. C'est vrai que ça donne pas beaucoup, mais je vais vous faire quand même. Elle est où la planque? Elle est par là. Elle est pas là la planque. Ah, en plus il y a quelqu'un devant. C'est pas bon signe ça. Qu'est-ce que tu fais là toi? Qu'est-ce qu'il fait là lui? Est-ce que je vais le tirer dessus? En plus c'est un guetteur. Je pense que c'est un guetteur. Hein. Attendez. Hop, il faut quand même que je sois armé. Hein. Je suis armé jusqu'aux dents. Tu me tires dessus, je te tire dessus. On a compris? Ok, laisse-moi rentrer. Bon, je dégomme tout le monde et je prends tout. C'est qui m'a traité? Voilà, au revoir. Oula, ils m'ont bien touché là. Ils m'ont bien touché. Je vais prendre un petit peu de santé parce que je suis presque mort. Ah, je prends beaucoup de dégâts. Hop. Qui a le tour? Ils sont combien? Ils sont combien dans ces baraques? Il y en reste encore 3. Vas-y, prends ça. Faut que je sois prudent, faut que je sois prudent. Je vais prendre encore des... Ah, je suis vraiment nul, hein. Je suis nul, il faut que je prenne des encas. Hop. Ma vie est trop fragile. Hop. Vas-y, prends ça. Dans la vraie vie, je suis déjà mort, hein. Ouais, sérieux. J'ai même pas eu le temps de... En fait, je peux pas me cacher, là. Et ils ont tout... Enfin, ils peuvent me... Me tuer facilement, quoi. Donc, ce qu'il faut trouver là-dedans, c'est des codes... C'est des codes, c'est des codes. Alors, où est-ce qu'il est? Oh, petite dame. Désolé, hein. Fallait pas être là. Du coup, où est-ce qu'il est le code? J'avais mis où le code? Hein? Tiens. Il est où le code? Hein? Hein? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est le code? Il faut que... Ah, il est peut-être dans l'ordinateur. Non, je peux pas rentrer dans l'ordinateur. Il faut que je regarde un peu partout. Il faut que je regarde partout le code. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Alors, 73, 27, 38. 73, 27, 38. Bah, il est où le coffre? Ah, il est au fond là-bas. 73, 27, 38. Allez, hop. J'espère que c'est bon, hein. Alors, 73... 73, on est passé. 27. 27. 38. Ne vous en faites pas. Hein, c'est du ketchup. Hein, ce que j'ai à la main, c'est du ketchup. Hein, j'ai 38, on a dit. Hein, 38. Allez, hop. Oui, open. J'ai réussi. Allez, maintenant, on s'évade. Enfin, moi, je vais m'évader. Tout ça, c'est du ketchup, mes amis. Hein, ne vous en faites pas. C'est pas du sang. Elle est où, ma voiture? Elle est là. Oh là 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 là, je vais être poursuivi. Est-ce que je peux m'évader par ici? Non, non.
Bande de méchants. Oh, y'a un mur. Y'a un mur. Désolé, mon pote. J'ai pas fait exprès. Soit c'est moi, soit c'est eux. Aïe, il me colle. Ouh, je tape le mur. Non, plutôt un poteau. Allez, quittez la zone. C'est ce qu'il demande de quitter la zone. Il faut que je quitte la zone, mais tranquillement, calmement, s'il vous plaît, calmement. Allez, comme je disais, ça coûte pas cher. J'ai quand même risqué ma peau pour 1 500 $. Hein. T'as fait le ménage, hein? Ben oui, bien sûr. Ton équipe, elle était où? Oh, il y a un petit point violet. Je vais voir ce que c'est. Mais j'ai ma petite idée. Je pense qu'il y a un petit camarade qui est par là. Où est-ce qu'il est? Ah, il est juste là. Ok. Bon, je range mon arme. Lui, il est pas dangereux. Salut, mec. Alors, je te vends de l'acide, ok? Et du coup, je te vends aussi la mettre. Ok. Ok, bah, je te vends tout, alors. J'espère que tu m'arnaques pas. Allez, 31 300. Cool. Et ça vaut combien, là? 16 600. C'est aussi cool. 10, ça vaut combien? 15 800. Et là, ça vaut qu'un... Oh, je me fais la thune, là. Ça, c'est du côté dealer. Ok. Bon, je sais que mon entrepôt a pris un coup, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la mission libre. Oh, il y a un petit point bleu. Qu'est-ce que c'est, le petit point bleu? Comment je vais y aller là-bas? Allez, je vais pas couper là. Hein. Allez, je vais couper ici, net. Bim! Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, une voiture. Je pense que c'est une voiture. Hein. C'est pas celle-là. C'est l'autre côté. C'est l'autre qui est à côté. Allez, j'ai trouvé une voiture. Gratos. Là, c'est à livrer sur le quai. Allez, c'est parti. Du coup, il m'envoie un sens inverse. Mais non, je vais pas suivre ce sens-là. À moins que je peux sortir de là. Par là, je peux sortir. Oh, dangereux, le mec. C'est quoi comme marque, ça? C'est... Black Fun, c'est ça, hein? C'est Black Fun, ouais. Coquette Black Fun. Ouais, c'est ça. Un vétéran Coquette Black Fun. J'ai pas cette voiture. Et puis, c'est pas l'une des voitures qui me plaît. Hein. Enfin, ça fait pas partie des voitures qui me plaît. Est-ce qu'elle est décapotable? Non, je pense pas. Enfin, décapotable, oui. Mais il n'y a pas de capote dessus. C'est une voiture qui est comme ça. Ah, mais elle trace, par contre. Hein. Elle trace. Ouh! Accident mortel. Ah, j'arrive pas à sortir là. Ça va être livré. Ça va être livré. Et voilà. C'est livré. Et je suis niveau réputation 42, progression. Il me manque 2 barres pour ce genre de véhicule. 20 000 $, export exotique, livraison effectuée, coquette Black Fun. C'est Black Fun, hein? Pas Black Fun. Et donc, du coup, je suis arrivé à combien? Je suis arrivé quand même à 189 207. Hein? Ce qui n'est pas rien pour des missions en libre. Bah, tiens. Je vois encore d'autres bulles. Tiens. Il y en a partout. Est-ce que c'est la même personne? Non, c'est pas du tout la même personne. Est-ce qu'il va me payer un petit peu plus ou moins? On va voir.
Elle a les cheveux jaunes. Il a les cheveux jaunes, on va pas le rater, hein. Ah non, c'est pas lui. Je me suis trompé de dealer. Ah, excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Je vous ai pris pour un dealer. Désolé. Non, ouais, je me disais. Je me suis dit que, ouais, normalement, il doit être plus discret. Il n'est pas par là. C'est lequel? C'est lequel? C'est lequel? Il doit être dans l'endroit. Ben voilà. Il est plus discret. Ah oui, ben je me dis. Ouais, je me suis paumé, quoi. Du coup, est-ce que je peux avoir mieux? Ah ben ça va, c'est toujours pareil, hein. Hop, en une journée. Hop, voilà. Allez, bon, je suis à presque 300 000. Quoi? Je te ramène des trucs et toi tu me dis dégage. Enfin, je crois que c'est ce qu'il a dit, hein. Je pense que c'est ce qu'il a dit. Ou alors il a dit c'est tout, je sais pas. Je sais pas du tout. Je ramasse de la thune. Je ramasse de la thune. Encore un point bleu. Qu'est-ce que c'est? Il faut que je prends à droite là. Allez, vite, 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 à droite. Voilà. Ensuite, dans la petite rue. Est-ce que c'est encore une voiture? Ouais, une voiture, mais ce coup-ci, ça appartient à des dealers. Désolé les mecs, c'est vous qui avez commencé à tirer en premier. Hein. Ah, j'arrive plus à viser. À se coucher. Bon, il faut que je m'évade. Parce qu'il y a des flics qui veulent m'attaquer. Bon, je vais me cacher quelque part. Comme ça, ils vont pas me trouver. Est-ce qu'ils vont me trouver par ici? J'espère que non. Quand c'est tout droit, ok. Vas-y, 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 va à l'autre côté, va à l'autre côté. Moi, je contourne. Une petite place par là, oui. Allez, allez, cassez-vous, cassez-vous. Donc là, ils vont constater les dégâts. Et c'est tout, et après, ils vont se barrer. Allez, barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. Barrez-vous, 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 les flics. J'ai pas envie qu'on m'arrête. Oui, voilà, c'est bon. Bon, allez. Ah, est-ce qu'il y a encore des flics sur place? Non, il n'y a plus de flics sur place. Bon, je peux récupérer la voiture. Ah, il y a des trucs à l'intérieur. Il y a un truc en dessous, allez. Ouais, voilà, c'est bon. C'est ce que je voulais. Alors, il faut que j'amène. Je vois que tu as mis la main sur ma maître. Cette cargaison est à moi. Reporte-la à moi et tu seras très bien payé. On va voir si je serai bien payé. Hein. Encore une livraison qui va être faite. Hop, c'est bon. Je suis arrivé sur place. Oh, ben, c'est bien de mettre un comment ça s'appelle? Un quad. Un mini quad. Allez, 25 000 dollars. Mission réussie. Paquet de drogue livré. Ah bah oui. Ah. J'entends un signal de détresse. Ah, c'est là-haut. Ça tombe bien. Je vais le secourir. Ça fume là-haut. Ah, il est tombé. Tombé dans l'eau. Ouais. Il est tombé dans l'eau, le pauvre. Ah, il y a un bateau qui va secourir avant moi ou quoi? Bon, ben, j'enlève mon smoking. Hein. Du coup, apparence. Plongée. Allez, c'est parti. On va secourir l'avion. Qu'est-ce que je vais trouver? Ah ben l'avion est là. Oh, le pauvre.
Oh, mais je viens secourir les gens et les flics ils veulent m'arrêter. Pourquoi les flics ils viennent là? Pourquoi ils viennent les flics? Ah, il y a un truc là. Il y a une mallette, une espèce de mallette. Une espèce de mallette là, il faut que je récupère. C'est compliqué là pour récupérer la mallette. Allez! Par contre, pour manier. Moi, je peux pas secourir le mec, hein, désolé, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la mallette. Hein. La mallette, pas la manette, c'est la mallette. C'est un peu compliqué. Je sens que je vais me faire tirer dessus. Allez, ben, je suis pas un voleur, hein, je vous le dis. Hein. Je suis pas un vrai voleur. Alors. Ah, c'est compliqué pour manier là. Il est où, il est où, il est où, il est où? Je suis presque. Allez, allez, avance, avance. Non! Ah, je peux taper. Vas-y, 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 tu peux l'avoir, tu peux l'avoir. Ben voilà, enfin! 25 000 dollars. Est-ce que je peux secourir? Est-ce qu'il y a d'autres trucs dans l'avion? Non, il n'y a rien. Et le mec, est-ce que je peux le secourir? Je rappelle qu'il y a des flics. Non, je peux pas le secourir, malheureusement. Malheureusement, je peux pas le secourir, non. Là, les flics, ils sont juste à côté de ma voiture. Je cours, je cours, je cours. Vas-y, je rentre dans ma voiture. Vite, 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 vite. Allez, ferme la porte, ferme la porte. Oh, j'ai plus de flics. Alors qu'ils sont juste à côté de moi. C'est bon, j'ai eu. Oula, 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 oula. Par contre, il faut pas que j'inonde ma voiture. J'ai eu 25 000 dollars facilement. Eh ouais, eh ouais. Je suis pas arrêté par les flics qui sont venus. Ils se sont demandé qu'est-ce qui s'est passé, mais comme ils ont rien vu, ils sont partis. Et c'est tant mieux pour moi. Et maintenant, c'est moi qui se fais la malle. Bon, ben voilà, mes amis, je me suis fait pas mal d'argent aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en dites? Donc, pour le mode libre, pour moi, c'est plutôt pas mal. 322 157. C'est plutôt bien, je trouve. Mais une condition, hein, d'avoir les entrepôts nécessaires, hein, que ce soit la boîte de nuit, les entrepôts pour tout ce qui est. Tout ce qui est trafiquant, tout ce qui est trafic de dealers et tout ça, enfin, trafic de dealers. Pour tout ce qui est trafic et tout, donc il faut les avoir pour avoir justement des missions en mode libre. Ça paye bien, hein, ça paye plutôt bien. J'espère qu'en tout cas que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et bien sûr, toi qui passes par là, qui n'es toujours pas abonné à cette chaîne, ben je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour ne rien rater sur cette chaîne. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao! Oula! Je vais taper dans le poteau.